Alors, nous aimerons connaître qui est l'artiste, le chanteur et non l'artiste, Don Benjo. Don Benjo, c'est un Camerounais, 100%, originaire du Sud Cameroun, du département du Dja-et-Lobo, l'arrondissement de Moyimessi, du village Modounou, fils de cultivateur. Voilà tout Don Benjo. Fils du cultivateur qui est aujourd'hui un chanteur de l'éternel. Alors, depuis combien de temps dans la musique déjà? Je dirais 27 ans, mais 22 de carrière vraiment professionnelle. Parce que je commence la musique dans les années 87-86. Oui, mais je sors mon premier album avec la chorale Les Voix Unies, c'est en 2000. C'est pour ça que je peux dire, j'ai 22 ans de carrière professionnelle. Il y a 22 ans de carrière, tu peux faire un bilan positif. 4 albums avec la chorale Les Voix Unies de Samla, un album solo et 3 vidéogrammes. Et d'autres, des audios en composition, au moins 56. Beaucoup de fans aussi. Je dirais oui, je suis à plus de 1000 abonnés quand même sur YouTube à ce jour. Je pense que j'ai légèrement évolué. Ok, moi je vais revenir un peu dans l'historique. Comment tu découvres en toi ce talent de chanteur de l'éternel et pourquoi le gospel aussi? Oui, tout part de. En fait, j'ai grandi dans la famille adventiste. Mon père était adventiste, il est adventiste. Et j'ai grandi au séminaire adventiste de Nangaï Boko. C'est d'où part vraiment mon talent. À partir de la petite chorale, les Sands Boys, faisant du négro spirituel. Et puis, à un moment, les gars qui travaillaient avec moi appréciaient ma voix, ont commencé à m'encourager. Après les Sands Boys, je suis entré dans la chorale Les Messagers du Christ de Nangaï Boko. J'ai dit salut déjà à Pierre Nkou, on m'appelait vulgairement Pyrrhus. C'est lui, en fait, qui m'a encouragé dans le monde musical. Je n'ai pas été un très bon musicien comme lui, mais. Au bout du temps, j'ai commencé à vouloir chanter. Mais un jour, après un concert, on avait un suivi en général qu'on appelait Monsieur Ndoua. Alors, il s'est rapproché de moi, il m'a dit, mais tiens, Don Benjo, tu as une belle voix. Et puis, ce compliment, c'est ça en fait qui a créé cette flamme en moi. Oui. Et pourquoi tu t'es détaché de la chorale maintenant pour faire quelque chose en solo? Non, je ne me détache pas de la chorale. Je suis toujours choriste. Mais à un moment, la musique, nous sommes appelés à propager un peu plus loin la musique religieuse. Tout à fait. Et la chorale, je me dis à un moment qu'elle est un peu limitée. En évoluant seule, on parvient plus facilement à expédier ces musiques partout que dans le groupe. Donc, si je comprends, tu es resté dans du gospel parce que tu as commencé dans une chorale ou alors parce que tu as une relation avec Jésus. Je suis resté dans le gospel déjà parce que le gospel est venu à moi. Dans tous les cas, je n'ai rien choisi. L'Éternel m'a choisi, il a fait de lui, il a fait de moi Ah, tout à fait. son disciple. Il nous choisit toujours en premier d'ailleurs. Il n'y a rien à faire. Nous sommes des pions que Dieu utilise. Tout à fait. Et puis je suis artiste aujourd'hui, j'assume juste le choix de Dieu. Et alors, aujourd'hui, vous avez un nouvel album ou un single sur le marché? Un single. Intitulé? Merci Seigneur. Pourquoi Merci Seigneur? Merci Seigneur, j'ai traversé des moments très difficiles, d'où la chanson Ebata, le paralytique de Bethsaida, où je cite Jésus est le seul vrai ami. Il n'est pas comme les hypocrites de ce monde qui disaient oui lorsque c'est non, et non lorsque c'est oui. Ah oui. Après cette chanson, j'ai demandé quelque chose à Dieu, en fait, il me l'a donné. Et puis j'ai dit, bon. Tu dois chanter merci Seigneur. Action de grâce. Tu es reconnaissant en fait envers Effectivement. ton créateur parce qu'il y a beaucoup de Effectivement. personnes, lorsque le Seigneur leur a béni, ils ne sont plus reconnaissants. Mais Don Benjo, il a dit, je vais chanter la reconnaissance de l'Éternel. Alors on va écouter cette belle chanson de Don Benjo. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pauvre pécheur et je réclame ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je me détourne de ces péchés et t'invite à rentrer dans mon cœur et dans ma vie. Au plus profond de la maladie,
Dans les ténèbres du chômage, j'ai appelé mon Dieu, mais il ne m'a point répondu. Traumatisé par le chagrin, rongé par la solitude, j'ai crié vers mon Dieu, Seigneur, pourquoi ne me vois-tu pas? Je me suis dit, quel est ce Dieu qui ne parle pas? Quel est ce Dieu qui ne se fie pas aux pleurs de ses enfants? Autrefois, dans les consciences, j'ai appelé l'Éternel, lui disant, Seigneur, es-tu vraiment mon berger? Mais alors quand est-ce que ta houlette et ton bâton me rassureront? Franck Emmanuel, Ange-Michel Mico, la reconnaissance est la mémoire du cœur. Toi-même, tu as dit que tu seras mon berger. Tu m'as dit, Seigneur, que je ne manquerai de rien. Tu as promis que ta houlette et ton bâton me rassureront. Tu dresseras un bouclier en face de mes adversaires. Mayane ou Yonaya, Mayane ou Osonaya, Mayane ou Epelaya, Mebili ou Anzambouom. Autrefois, dans l'inconscience, j'ai crié. Mon Dieu, ta grâce, tu ne la donnes qu'au nanti. Mais alors pourquoi nos pères t'ont appelé l'Alpha et l'Oméga? Hervé Minko, si quelqu'un t'a fait du bien, dis-lui merci. Alors je me suis réfugié dans mon village, question de m'exiler, car la misère m'avait rongé. Mais mon père me dit, non, 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 Benjo, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît toujours. Tu dois comprendre, fiston, que chaque chose a son temps, car l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Ses desseins sont insondables, mon ami, un peu de patience, lui-même agira. Catherine, il est beau là. Un seul mot usé, mais qui brille comme une pièce de monnaie. Merci. Merci. J'ai traversé toutes les villes du Cameroun. Mangamane, Boumane, Niyebe, Nisse, Yassi, Africa. Matiri, Matiri, Masenke, Masenko. Et pourtant, tu étais là, tout près de moi. Lorsque je jetais mon regard à droite, nul n'osait me regarder. Tout refuge était perdu pour moi. Personne n'est pas souci de mon âme, si ce n'est toi, ô Éternel. Tu es mon refuge, mon partage, sur la terre vivant. Merci Seigneur. Lorsque dans le chagrin, y avait, tu m'as délivré. Merci Seigneur. Dans les ténèbres de la solitude, tu m'as guéri. Merci Seigneur. Tu m'as sorti des humiliations de ce monde. Aujourd'hui, je peux regarder et je peux fixer le monde en face. Merci mon Dieu. Je t'aime, mon regard. Si ce n'est toi, ô Éternel, tu es mon refuge, mon partage.
te bénis à jamais. Je mon refuge, mon partage sur la terre.